Bon, bah bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bateau. J'attaque l'étape de fixer le plancher qu'on a découpé, ajusté, etc. dans les dernières vidéos. C'était beaucoup plus long que ce que vous avez vu en vidéo. Mais maintenant, je vais attaquer la fixation. J'ai installé toutes les platines, j'ai toutes les charnières, il y a tout qui est prêt. Ce que je veux faire, c'est fixer le plancher. Il va être vissé à la structure aluminium pour ensuite remettre un petit coup de peinture sur tous les francs-bords maintenant que j'ai plus trop de rayures parce que j'en ai fait plein forcément en bricolant, en avançant, pour que ce soit nickel avant de poser l'EVA. Comme ça, ça me permet de poser, de tout avoir nickel, je suis sûr de plus faire de rayures, ou tu vois, hein, je vais essayer de plus faire de rayures après sur la peinture. Mais pour ça, il faut d'abord que je pose... que je fixe le plancher. Je vais mettre entre la structure aluminium et la partie bois à certains endroits. Forcément, j'ai des épaisseurs d'aluminium de 2 mm qui a un petit décalage. Donc je vais mettre des petites bandes en mousse adhésive entre les deux. Ça va permettre de faire un petit peu amorti également. Et surtout d'avoir quelque chose de propre qu'on ne voit pas de jour à certains endroits entre le plancher et la structure alu. Allez, sur toutes les parties latérales comme j'ai devant moi ici, sur les parties verticales, je vais mettre du vinyle pour faire propre, du sticker un peu texturé, ce qui va permettre de suite donner un effet propre. Ça m'évite de faire une peinture, c'est plus facile, ça coûte pas très cher. Le plus dur, c'est de le poser correctement. Il fait froid, il est raide, mais on va essayer de poser ça. Donc je vais faire toute cette partie là derrière moi au niveau du retour là où il y a les bancs aussi, et toutes les parties verticales qui sont en aluminium, je vais les recouvrir avec ça. Donc c'est parti, je vais prédécouper, j'ai commencé à le prédécouper à la bonne taille, et je vais essayer de faire en un seul morceau pour que ce soit propre, il va falloir que j'aille bien droit, j'espère que ça va bien se passer. Thank you.
Allez, c'est parti pour poser le revêtement sur tout le bateau. Certains l'ont déjà compris vis-à-vis des écarts que j'ai laissés entre les trappes. On va poser de l'EVA sur tout le pont. Donc c'est de l'EVA en 6 mm noir et gris que j'ai pris. Donc la partie en dessous est noire et après la partie supérieure est grise pour bien s'accorder avec le bateau. Et du coup on va le poser, c'est sous forme de rouleau adhésif. Ça se pose très très bien. Il faudra juste mettre un petit ponçage. Il faut que la surface soit le plus lisse possible pour que, que la colle accroche bien. Et après on va pouvoir faire ce qu'on veut, découper des motifs, faire des choses super jolies. On va essayer de ne pas se planter parce que je suis très 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 ric-rac sur les vannes. Normalement ça passe tout pile et je vais avoir très très peu de chutes. Mais du coup j'ai pas le droit à l'erreur. Si je loupe un morceau, il faut que j'en recommande. Je vous mettrai en lien en description de l'EVA que j'ai pris. J'ai pris des bandes de 1,20 m par 240 m. Et j'en ai pris deux et une bande de 60 par 240. Normalement ça devrait passer pour faire l'ensemble. J'espère que je me suis pas trop planté. En tout cas ça fait super propre, je suis super content. Voilà, de cette petite partie là que j'ai collé, j'ai fait mon premier test, c'est un coffre. C'est le coffre sous le siège. Donc on va faire pareil sur la deuxième partie. Je vous montre comment je fais. Allez, c'est parti. Par-dessus, et puis se visser dans les mains. Ça va faire moche sur les doigts. Ah ben non, justement, je vais l'intégrer dans les mains. Si je le mettais en dessous, ça serait bizarre. Ça permet aussi d'éviter que, tu sais, avec les pieds en passant dans les arêtes là, on puisse arracher l'EVA. C'est pour ça que je vais le mettre par-dessus. Ça va empêcher l'EVA de se décoller. Le petit bateau va faire un truc comme ça. Hein. Franchement. Bon, voilà les deux premiers panneaux en place. C'est super propre, je suis super content. Du coup, j'ai pris mes panneaux en bois que j'avais préalablement résinés. Je les ai poncés au 240 pour avoir quelque chose de bien lisse, dégraissé. Et après, j'ai posé l'EVA avec une petite surcote. J'ai recoupé cette surcote et j'ai passé un petit coup de défonceuse, enfin d'affleureuse pour avoir un... On le voit pas très bien, mais ça fait un petit angle à 45 degrés sur l'EVA. Ça évite que ça se décolle et là vous voyez le bois, il y aura une baguette en alu anti-dérapante pour faire la finition du bord. C'est des parties où on va marcher avec les pieds, où on risque de pouvoir décoller à des endroits. Du coup là il y aura une baguette tout le long qui va bien venir finir. Donc c'est super propre, je suis content des jonctions, ça fait ce petit liseré noir là tout autour. C'est vraiment quali. Voilà. Donc ça, ce sera les deux coffres, avec le coffre qui se soulèvera sous ce siège-là et sous ce siège-là. Bon, j'ai encore tout le reste à poser, mais avant de poser, je vais repasser un petit coup de peinture sur tous les francs-bords là. Un petit coup de laque marine, il fait 0 degré, il pleut pas, donc je vais quand même essayer de passer ça. Il n'y a pas trop de vent, je ne sais pas d'avoir des gouttes trop dessus. Hier, c'était pas possible, je vais essayer de le faire aujourd'hui, il y a un petit créneau là. Je vais en profiter.
Bon voilà, ça y est. J'ai fini de poser les vases sur la partie arrière et avant. La partie arrière est nickel. Comme vous voyez, j'ai pu découper à ras. J'ai laissé 3 mm qui va me permettre de mettre une bande. On va avoir une bande en caoutchouc qui va venir faire tout le tour. Si je vous montre, là, je suis un peu juste encore. Hop, je vais la mettre là. On a une bande en caoutchouc qui va venir faire tout le tour. Qui va venir s'emboîter. Il faudra peut-être que j'enlève encore un tout petit peu. Mais voilà, c'est un profilé comme ceci. Qui va venir se coincer. Je le collerai peut-être en plus, mais ça fait une finition qui est super propre. Du coup, c'est pour ça que je laisse un petit peu. Mais j'ai voulu être le plus rapide possible. Par contre, à l'avant, j'ai un petit problème. J'avais prédécoupé avant de fixer le pont. Mais je me suis planté. Du coup, j'ai réavancé un petit peu. J'ai une petite bande, mais c'est pas grave. Il y aura une partie en alu qui va revenir sur les bords pour les arêtes. Donc ça se verra pas. Mais du coup, là, j'ai un petit souci. J'ai un petit raccord qui sera caché en bas un peu avec la baguette. Mais ça pourra se voir un petit peu. Et sur la partie avant, j'étais un peu ric-rac en termes d'Eva. Donc j'ai un raccord à cet endroit-là. Je sais pas comment je le camouflerai. Peut-être que je ferai des motifs pour pas que ça se voit. Mais maintenant, l'étape, ça va être de découper les trappes, tout simplement. Ouvrir les trappes et après, on va passer un coup d'affleureux sur tous les bords pour faire un petit chanfrein à 45. Ça va être vraiment propre. Donc, c'est les prochaines étapes. Mais je suis content. Là, c'est pareil, c'est ras, c'est à fleurs, tout est à fleurs. Ça se marque très vite, par contre, faudra faire attention de ne pas l'abîmer. Mais bon, on pêche, après, ça va s'abîmer. Hein. C'est quand même vachement fragile comme revêtement. Par contre, c'est joli. Hein. Ça, c'est clair, ça rend bien. Allez, c'est parti. Allez, je vais passer un coup d'affleureuse sur le tour de chaque coffre et ensuite je rajouterai un chanfrein à 45 degrés. Mais je mets d'abord un coup d'affleureuse pour pouvoir faire un chanfrein un tout petit peu plus haut et avoir quelque chose de bien propre. Je pourrais couper au cutter, mais ce sera plus propre avec ça. Bon ben là, je vous avoue que ça fait quelque chose. C'est beau. Là, c'est vraiment super classe. Et c'est pas encore fini parce qu'il va y avoir un petit liseré noir sur tout le bord. Il me reste quelques finitions et là on voit un petit peu le raccord. Je pense que je mettrai un petit trait de défonceuse là, un petit trait là sur la longueur, sur la jonction. Je pense que ça peut faire bien. Ça permettra de séparer en plusieurs espaces vraiment, vraiment propres. Ah, ça a de la gueule. Là et l'arrière, il est vraiment beau aussi. Regardez l'arrière.
Il n'y a pas encore la console. Là, c'est vraiment classe. Je suis trop content. Le rendu est juste génial. Il me reste encore un peu d'aspirateur à passer parce que je fais une poussière de plastique là, Deva. Il y en a partout.